Le cimique en doigt est le premier des présumés génocidaires rwandais, puisque sa condamnation n'est pas définitive, j'utilise le terme présumé, à être jugé en France. Donc c'est un procès particulièrement important, c'est un procès qui doit demeurer exemplaire. Évidemment, on espère, je ne le cache pas, même si ce n'est pas le rôle de la partie civile de requérir, on espère une condamnation, voire une confirmation de la décision de première instance qui nous apparaît avoir été rendue dans des conditions vraiment d'équité totale.